Salut tout le monde, c'est pas de Naruto Sleepless dont je vais faire une vidéo, mais Kimetsu no Yaiba Kenpu Kengeki Royale, le nouveau jeu qui sera disponible cette année, enfin le jeu mobile qui sera disponible cette année. Comme vous le savez, chaque 21 du mois, on a le V-Jump qui sort. Dans le V-Jump, il parle des dernières news, des dernières nouveautés de manga, anime, jeux vidéo affiliés au Jump Shueisha, la production Shueisha. Toutes les news, traductions et le reste de ce jeu se feront sur le Discord global qui sera dispo dans la description et en commentaire. Et là, on va attaquer la page de Kimetsu no Yaiba qui a été traduite récemment par moi-même. Et enfin, j'ai fait une légère traduction et qui a été vérifiée par le vrai traducteur. Donc, on va directement l'attaquer vu que le jeu arrive cette année. Mais avant ça, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant des dernières news sur la chaîne. Sur ce, commençons. Le texte à droite avec le titre du jeu précise que la campagne de préinscription est en cours. Donc on a déjà dépassé les 110 000 préinscriptions. Donc pour 100 000 préinscriptions, on a 3 invocations, 3 singles. Pour 200 000, on a 5 gachas, donc 5 invocations. Pour 300 000, on a la possibilité de gagner un personnage, Tanjiro, sa sœur, donc Nezuko, Zenitsu ou Inosuke. Pour les 400 000, on a une multi-invocation, donc une multi-summon. Pour les 500 000, une carte de capacité et ce sert limitée à la préinscription uniquement. En rouge, si au cas où les préinscriptions dépassent les 500 000, il y aura d'autres récompenses encore plus motivantes pour ceux qui veulent se préinscrire. Donc pour se préinscrire, il faut tout simplement liker leur page Facebook, leur page Line, leur page Twitter, etc. etc. et leur page Instagram également. Donc comme je vous l'ai dit, si les préinscriptions dépassent les 500 000 de joueurs préinscrits, on aura d'autres récompenses. A priori, vu que cette vidéo est tournée et sera disponible le 20 avril, il est possible qu'ils mettent d'ici la fin du mois un nouveau trailer exclusif qui montre un gameplay plus détaillé, plus précis sur les attaques, les armes et le reste. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.